Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour bande de nyonso balinga biso ndenge makomi na nzambe lobi. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai jamais. Biso peut-être pas pour l'amour du Congo, jamais toti okanga minoko parce que nous n'avons que le Congo et ba français peut baloba que on est mieux chez soi. Malheureusement, na musala tozo sala tozo zo benjir, tozo zo ko betama, tozo zo ba téléphone eza ko kende. Donc makambo mabe ko salema. Tozo zo même benjir, mais musala tozo sala ngo pon intérêt à peuple congolais. Tout ça pour la bande qu'on a bu sur basa libanda en boka Congo est un espace bela au sala mais na retour tous aux zones tous aux abattage même domicile par quoi caler bu sur nzela par votre libre téléphone par quoi caler bu sur nzela yango moni na lekin espace ya sangwa Congo pour na pisa bino actualité politique ba mama ba papa partout dans le monde bo kiti samité ma que malheur moko et ya koko ma na République démocratique du Congo te yali bosso na web sabino batebele ba bengi biso pour na air na guerre ya est na koye bi sabino que guerre à est aux années vers la fin. Mutumoka ko sabinote mutumoka yebi sabinote keo makambo agera ngoto somo na mystique bayemba ka ebeleke ba Rwanda ba wazanakati ba ko infiltrer makambo yobeba menzo ande ba yebi teke diplomatie felite seke da zo sala diplomatie ndenge situation politique zo ke na République démocratique du Congo pour comprendre ngoi fo zalaka mona e mona République démocratique du Congo ou soit zo sala congolais ndena ngwa bozo mona makambo agera ya est e ke mupanzi Jean-Marc, pourquoi Jean-Marc Kabunda yo sala déclaration. Jean-Marc Kabunda a sali déclaration et c'est le peuple congolais qui a situé son bocanaïo. Jean-Marc Kabunda a sali déclaration par rapport. Tu comprends que les figés chef de l'État ont brûlé. Bande qu'on a vu sur FCC, tu as bien bande parce que parmi eux, il y a des Congolais qui sont là. Or, la liste de l'IDPS, tu as vu que tu as combattu pour battre. Congolais n'ont pas la mouka. Congolais n'ont pas la FCC a bénéficié état de droit au IDPS à sa réalité. Nena yangwana, tu comprends que Batou Balingé va profiter na bolingo ya ba combattre bazanango bato balingi ba profiter na douceur président de la république bazanango to kena bango na ko wali so c'est conformément aux dispositions constitutionnelles telles que si vous prenez l'article 78 et ko ta détaillé bino pourquoi président de la république kenda ko sala coalition pour éviter la violation de l'un des principes constitutionnels mais to comprendre que ba frère to zana bango na opposition ba to katin ko attaquer ata la mukate parce que le lome ba révélation bimi que la muka na FCC baza une même association au détriment du peuple congolais. Alors, au lieu d'attaquer la Mouka, au lieu d'attaquer, parce que tout ça, la même famille politique, tu as comme il y a brûlé, tu as fiché à chef de l'État, tu as comme il y a une attaque, na personne, même na famille à chef de l'État, mais nous, on ne peut jamais accepter qu'une personne ou groupe d'individus, on a pour parler du mal de notre président. On a poussé Jean-Marc Kabunda à Kabunda. À ça la matinée politique les 12 ou les kaki dans les 12 et les kaki à la matinée politique qu'on recadre qu'on explique au peuple congolais qu'est-ce qui s'est passé le 12 novembre na retira de la signature à président Félix Tshisekedi et qu'on explique bande ko yabiso FCC que malgré nous sommes en coalition on ne peut jamais accepter injurier notre président brûler les effigies de notre président au nom de la coalition ça sera inacceptable. Alors nde yango ne pousa ki Jean-Marc Kabunda à Kabunda ale kana télévision na matinée na expliquer peuple congolais et à notre grande surprise tu es comme on mbala moko ba député à FCC ba ko sa la déclaration bona ko loba ki Jean-Marc Kabunda a démissionné ça sera pratiquement impossible et c'est maintenant même le début de la crise on a yebisa kabino ke l'article 148 de la constitution et ko pousser président de la république ndingi ça ya ko dissoudre. Bande ko nanga boza partout na monde bo banga na ba déclaration te ezali ba déclaration mo ya ba péré ezali ba déclaration mo parce que ba moni ke baza abou ba ezali ba déclaration mo ba moni ke ba komi na souka nde ba so sala déclaration ko banga mais na ko lancer message na monde que peuple congolais biso nyo so le 21 to sana aéroport ya Njili pour te toke ndoko yamba Jean-Marc Kabunda Kabunda o to ko mema eti na assemblée nationale mokolo wana parce que après matinée na ye oh ya salaki ko kebisa bande kwa FCC notre président Jean-Marc Kabunda Kabunda akendaki na niveau ya Kigali na Rwanda et azozonga déjà C21 je crois ça sera le vendredi ndeto ko yambaye biso base tozali déjà en plein mobilisation tozali déjà en plein sensibilisation pour que peuple nyonso congolais nyonso azala na aéroport le 21 sur mode de du secrétaire général Augustin Kabuya pour te toke ndeko yambaye mais tokozoye de aéroport jusqu'au parlement c'est-à-dire à l'Assemblée nationale place tokendo sil sa makamunyoso total abandana ngo ba imposaki nini
une motion de défiance contre Jean-Marc Kabund à Kabund. Maintenant, nous sommes le peuple congolais, nous devons être vigilants. Parce que Jean-Marc Kabund, ils allaient pour l'intérêt du peuple congolais. Ils allaient pour sauver la nation congolaise. Nous avons un moment qui est pour ça qui est pour ça que Jean-Marc Kabund a le Bamakambouana. Mais Jean-Marc Kabund a bien sûr répondre. Comment est-ce que bata FCC va brûler Béfija chef de l'État avant même qu'on brûle Béfija chef de l'État? Bata FCC va calciner batuna siège à IDPS. Ils n'ont jamais demandé pardon. Bata FCC va bomba biso le 26 novembre 2011 na retour ya campagne Tshisekedi. Plus de 100 morts madame. Batika la jamais qu'on demandé pardon. Bata FCC va sala makambo mabe. Batika la osenga pardonte. Mais à cause égoïsme na bango, à cause de l'incrédulité na bango, Jean-Marc a recadré bango bazo senga senga bolimisi. N'y aura pas le pardon au Jean-Marc a osenga na bango, il s'est déjà consommé et toza prêt du fait que nous sommes la machine politique, on est déjà prêt na ba disposition nyo sotozui avec le peuple congolais ainsi que la base de l'IDPS. Comment est-ce que toko ko sala machine pour na ko destituer par contre bango? Muta ko destituer Jean-Marc Azate, Jean-Marc Azali mo consommer muta ko destituer Azate. Ne ya ngwana bomoni la réseau toza en pleine mobilisation. Comment l'accueillir le 21 na aéroport et Angili to yamba Jean-Marc Kabund. Donc le lot au peuple congolais botala position ndenga makamambo kezo kende bo lela ki partout libanda président dissoudre l'Assemblée nationale président Panza. Or que conformément aux dispositions constitutionnelles le président ne peut pas dissoudre l'une des chambres avant une année ya magistrature suprême nae. Donc début à conflit en gros, parce que si vous lisez bien l'article 148 de la Constitution, est clair. Au cas où il y aura une crise entre l'Assemblée nationale, le Parlement et le gouvernement, à ce moment-là, le président de la République, par consultation des présidents des deux chambres et du Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Quand on parle de consultation, ce n'est pas une demande. Mais quand on parle de la permis de consultation, c'est une information à donner aux autres autorités de la République, telles que les présidents des deux chambres. Seulement vous informer. Je vous informe en tant que président de la République, compte tenu de crise qu'il y a eu entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, en tant que garant de la nation, conformément aux dispositions constitutionnelles, je peux dissoudre l'Assemblée nationale. Après l'information de Natongo Bomona, le ministre en charge de communication a autant ordonnance signée par le président de la République en dissoudant l'Assemblée nationale. Donc, peuple congolais, vous avez la calme partout dans le monde. Vous avez la politique et l'agitation. Vous avez FCC, ils sont déjà en train de se préparer de nager. Parce que nous avons se préparer de nager. Nous avons la mode d'ordre déjà lundi. Na retour, il y a Jean-Marc Akabund, Akabund. Le loyo, on a deux, troisième situation. Na lingine expliqué peuple congolais na makambu oyo ya Adolphe Muzitu ayeko senga Adolphe Muzitu par communiquer naye azo senga na président de la République que avant bandima chef de l'État le président de la République bandima nanu ke élection eleka mabe. Mais ça c'est quelle conception? Est-ce que Adolphe Muzitu en 2011 d'abord en 2006 tant que bokeko ça la coalition entre les PPD et les PALU électeur le Kakimabe. Mais pourquoi tu avais accepté d'être le premier ministre? Et nous avons gagné, nous l'IDPS, nous avions gagné les élections en 2011. Il y avait des crises. Kabila n'a jamais accepté que l'électeur le Kakimabe. Et les lots Adolphe Muzitu parce que osoli ambongo ya Kingakati osoli ambongo ya Kabila oso parvenir que président de la République, nous n'avons pas besoin que Bino Batalamouka, surtout Adolphe Muzitu, pour reconnaître le président de la République, chef de l'État. Allez à l'opposition, faites l'opposition comme vous voulez. Mais nous, ce que nous avons besoin maintenant, nous le peuple congolais, en dimi déjà que Bazana chef Moko, c'est le président Félix Tshisekedi. Nous n'attendons pas que Adolphe Muzitu ou Martin Falouné en dimango. C'est loin de là. Donc, peuple congolais, pour vous rassurer, que vous allez calmer, et le Moko Kokoma m'abete. Tala lelo, batwa FCC. Le monde entier va y comprendre que Kabila Azali Moutou alternance était madame. Dès qu'il y a l'alternance, le Kola Babé Takatolo, Nabatou à FCC, le Kola Babé Takatolo, que Kabila a père à alternance. Mais quand on parle de père à alternance, qu'est-ce que Kabila devrait faire pour le moment? A quoi qu'il s'occupe de la politique?
akoki kosala ba déclaration politique te. Mais dès que moni ke muntu asali alternance après 10 ans pouvoir, azan intention ko zonga toujours ko loba. Azan intention ko sala toujours politique, c'est que azali père ya alternance te. Et nous avons compris avec le monde entier que Kabila azali na intention mabe. Yango na peuple congolais, bo sala calme, bo sala très à l'aise. Tous les gens pour ça, ils m'encouragent na bino. Tant que tous ceux-là nous salaou, pour nous éveiller peuple, pour nous retenir sa peuple, tu écoutes un abattage kebélé. Soit tu obéis à moi. Le coup la date est le 12. Après matinée, j'ai été tabassé fortement. J'ai été attaqué même téléphone et kendaki. Yango mona tous ceux-là galissoni na bino, soutien na bino, pour être tous à la paix en sécurité. Mais na nyonso biso na epsi bino, bo sala calme. Donc ma kamboza na avantage à peuple congolais. Dès que le peuple congolais, je vois directement le président de la République, je vois directement la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous allez calme, vous allez poser, tout à l'heure, vous allez poser, mais avantage, et ça, le peuple congolais, tout bouki, bato à la mouka, tout bouki, bato à FCC, nous sommes au Kende, bon port. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègres, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement de l'essu, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanqui et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC quand tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.